Salut tout le monde, c'est Magby. Frérot, je sais pas si toi t'es pareil, mais t'as moi avec Noël, j'ai pris deux Loki Tarma. J'adore Noël en plus, tu vois, parce que tu vois ta famille, tu manges bien et tout, machin, nanana, mais à chaque fois je finis, je suis un gros porc. Limite, je te jure, ils auraient créé un jour de plus Noël, c'est-à-dire qu'on aurait fait Noël le 26 aussi, c'est moi qu'on aurait bouffé. D'ailleurs, si le porc il est gros, il faut l'exterminer, ouais, il faut l'abattre quoi. Ça tombe bien, aujourd'hui on va découvrir les 8 pépites de Julien et elles vont littéralement t'exterminer. Et moi aussi, du coup, gros porc il va t'exterminer. En plus, je pense t'as capté, j'ai mis le tempo dans le titre, donc inutile de te dire que ça va piquer. Si tu veux passer dans la prochaine vidéo, écris-moi en commentaire ton top du moment. 5, 6, 7, 8, 10, comme tu veux, pas de problème. Je t'invite à charbonner un maximum les pouces bleus, on y va, c'est parti. Alors, le temps que je démarre le logiciel pour lire l'écran, n'hésite pas à t'abonner. Voilà. Julien nous dit, mes 8 musiques indispensables à ne surtout pas manquer avec le petit smiley comme ça. C'est un coquin déjà lui, tu sens qu'il est un peu vicelard le garçon. Première musique, The Purge, Sick Mode, Right Now. Et ben on va écouter ça, Right Now. Je devrais faire des spectacles du mot, pas du tout. The Purge, Sick Mode, les deux déjà indépendamment l'un de l'autre, ils sont complètement fous, ils font des kicks de mal. Donc forcément là, ça charbonne fort, tu vois. Des fois il manque ça, tu sais, et les enceintes elles tombent du pied. Ça charbonne très très fort, donc à écouter comme ça et à réagir, j'adore parce que ça charbonne, tu vois. Même en soirée, ce genre de truc, ça pète bien. Moi personnellement, j'écoute pas ça tous les jours, frérot. Deuxième musique, Radical Redemption, Noel's House Fire. Cette musique, vous savez ce que j'en pense. J'en ai parlé quand j'ai fait la vidéo critique de l'album de Radical Redemption. Et vous savez que le mot final, c'est que voilà, je n'aime pas trop quand même. Hein. Ensuite, nous avons Deadly Gun, MBK, Anger Noise, Bass for the Street. Alors déjà, que dire les amis, que dire? Deadly Gun. Bon, voilà, tu vois ça, tu sais que ça va charbonner. Que j'aime bien d'ailleurs Deadly Gun. MBK, lui, il est complètement claqué au sol. Son cerveau, frérot, il en a pas. Ça charbonne, vous allez voir avec lui. Enfin, je dis, vous allez voir, je sais pas, mais je parle. Anger Noise, je connais pas. Une chose est sûre, Julien n'écoute pas de pop, hein. Tarba, il écoute pas de pop du tout. Non mais moi je deviens un gros jobard dans ma tête. Plus le temps passe, plus j'aime bien, tu sais. J'ajouterai une petite chose, j'ai une sensation de déjà entendu juste avant le premier climax. Voilà, je peux avoir des frissons parce qu'on est sur un kick de Deadly Gun. J'aime beaucoup Deadly Gun. Bah alors là, clairement, c'est MBK. Ce kick là, c'est MBK. Et là, c'est pas possible quoi. C'est limite, c'est même plus un kick le truc. Ça fait. Ah non, là, c'est trop là. Là, c'est tout moche. Et une fois encore, ce passage, j'ai la sensation de l'avoir déjà écouté. Il y a peut-être un charbonneur parmi vous qui me l'a filé sur TikTok et que j'ai fait une réaction sur TikTok. D'ailleurs, j'en profite à chaque fois. Langui, si tu n'as pas encore rejoint l'invasion Arsai sur TikTok, c'est maintenant, ça s'affiche sur ton écran. Rejoins-nous. Pourquoi tu devrais nous rejoindre? Je vais t'expliquer, frérot. Très rapidement. Parce qu'on s'amuse bien. Ça charbonne.
bonne, ça, y a zéro souci. Non, mais alors là, les kicks, c'est dans un monde parallèle au mien, là, c'est pas possible. Le premier, celui de Deadly Guns, voilà, j'ai eu la chair de cocotte, j'aime justement le kick de Deadly Guns, ok. Mais là, non, là, c'est beaucoup trop. Quatrième musique, je le sens très très mal pour cette quatrième musique, je viens de regarder, j'ai vu l'artiste, j'ai fait, oh my god. Because, une fois encore, vous me le donnez souvent celui-là sur TikTok pour faire des réactions. Voilà, donc d'ailleurs, si t'as pas compris, bien sûr, sur TikTok, sinon tout est vraiment. La musique s'intitule The Dark Horror Massive Bass. Alors, je sais plus si c'est celle-là que j'écoutais sur TikTok parce que j'en écoute beaucoup et je fais pas toujours attention au titre, mais The Dark Horror, il est. T'as compris? Attendez, si c'est celle que je pense, j'ai bien aimé. Sweep a cell, motherfucker! Fuck yeah! Et comme je vous ai dit, c'était bien cette musique là que j'écoutais sur TikTok. Et en vrai, je trouve que le premier kick il est mignon, tu vois. Il charbonne pas, genre bah bah ça chiquait. Le deuxième, un peu plus quand même, mais on a l'impression qu'il a pas mis une attaque, tu vois. Donc au final, c'est pas ça qui chiquette là le gueux. Il aurait mis une attaque, pa pa pa. Mais encore une fois, je trouve ça un bon délire, tu vois. Genre, c'est trop rigolo écouter ça. Mais j'écouterai pas ça tous les jours, c'est-à-dire que je pars à chercher mon pain. J'écouterai pas ça, frère. Ah non, ah non. Alors j'ai l'impression que plus on descend, plus Julien il nous bombarde la tronche. Parce que là la prochaine c'est GPL Dragon Porn V69. Mettez peut-être des bouchons d'oreille quand même parce que là... Je ne la connais pas mais bon voilà je crois savoir ce que c'est bien évidemment. Je le sens déjà, la destruction c'est même pas la peine. Salut toi, fils d'un rame. J'attends la catastrophe, j'attends. Déjà là, le mélange des deux, c'est fort moche quand même, hein. C'est pas possible, honnêtement les amis, est-ce qu'il y a réellement des gens qui écoutent ça tous les jours? Je respecte les goûts musicaux de chacun, il n'y a aucun souci, mais c'est vraiment par curiosité que je demande ça quand même. C'est vraiment horrible, franchement c'est tellement strident. Alors je dis toujours que j'aime bien les attaques aiguës, les tails plutôt noisy, ok. Mais là c'est un peu trop au-dessus là. Ensuite Julien nous propose Anime et Deadly Gun, Let It Burn. J'ai déjà écouté celle-là. Comme tout à l'heure, Mike B, envoie un petit, comment on appelle ça John, un petit extrait au montage s'il te plaît, merci beaucoup. C'est Mr. Hyde, Snow and... Je connais pas du tout ça. Diffen, j'aime pas trop mal en vrai. De temps en temps, ça passe bien. Vous prononcez le titre comment, vous? Dites-moi dans l'espace commentaire, les termes. J'aime vraiment bien. Le synthé, j'aime un petit peu moins. Puis là, en vrai, ça va vite quand même. Là, je suis un peu fatigué. Si vous savez ce que ça veut dire, sinon, rire, n'hésitez pas à mettre dans l'espace commentaire. Que je comprenne un peu quel est le message de cette musique. Ah, c'est le nom de la voiture en fait, Snow Zelette. Il casse toute la voiture. C'est quoi ces mecs là-haut? Oh,
folie. Mais en vrai, je préfère quand même Covid-19 pour le coup. Et Rahen, si on veut, avec Mr. Hyde. Et pour terminer, les amis, Julien nous propose en toute dernière musique Aggressive Act Massacre. Inconnu au bataillon pour moi aussi. Et ben, on y va. Massacre. Ça sent les gros kicks de ouf. Ce groupe d'Aggressive Act, c'est pas possible en vrai. Qu'il est fou, ouais, là c'est. Encore une fois, les kicks charbonnent sur les enceintes, c'est rigolo, ça envoie de l'air et tout, ça caillasse. T'es un frérot, Juliette, écoute ça tous les jours. Ah, je respecte de ouf, mais. Bah en tout cas le titre est très très bien choisi ici puisqu'il s'appelle Massacro. Ah voilà, c'est pas un massacre, c'est pas un massacri, c'est pas un massacru, c'est un massacro. Eh bien écoutez, déjà tout d'abord j'aimerais remercier Julien pour sa participation et son commentaire. Voilà, j'ai vraiment, je me suis fait violer les oreilles, ouais clairement là. Donc merci pour ce viol auditif. Les amis, si vous voulez que je découvre votre playlist dans la prochaine vidéo, écrivez-la moi en commentaire. Pour ce format de vidéo, je fais une personne par une personne. Donc voilà, allez-y, charbonnez maximum 10 titres. On y go, on y go. N'hésitez pas à charbonner les pouces bleus si bah vous aussi vous êtes détruire les oreilles, ouais. Suis-moi sur les différents réseaux sociaux qui s'affichent, mon petit pépère. Abonne-toi pour ne pas manquer les prochaines vidéos. 2 vidéos par semaine, voilà. Ne manque pas ça, frérot. 2 vidéos par semaine, donc abonne-toi, t'as intérêt de toute façon. Je te fais plein de gros bisous. Et on y est. À plein d'envie.